C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? 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 Un paléontologue, c'est un scientifique qui étudie les restes des animaux passés, des animaux ou des plantes passées, qui essaie de comprendre à l'aide de ces restes comment étaient ces animaux ou ces plantes, quels étaient, comment ils se regroupaient entre eux, quels étaient leurs liens de parenté entre eux, quelles étaient les relations de ces plantes ou de ces animaux avec les plantes ou les animaux actuels, et comment ces êtres vivants se sont dispersés sur la planète. Comment ça s'appelle de la paléobiogéographie, c'est-à-dire comment les animaux ont peuplé les divers continents, comment ces animaux ou ces plantes vivaient entre elles, par exemple pour les animaux marcheurs, leur mode de locomotion, par exemple pour les vertébrés, comment ils marchaient, est-ce que c'était plutôt des animaux coureurs, des animaux grimpeurs, des animaux fouisseurs qui creusaient des terriers, et tout ça, essayer de comprendre la paléoécologie de ces animaux ou de ces plantes. Voilà, je crois qu'avec ça, on a fait un peu le tour de ce qu'est le métier de paléontologue.